et que à partir du moment où on annonce des mauvaises nouvelles, même si c'est totalement objectif et que en effet ça se réalise, il est beaucoup plus pratique de faire l'autruche, beaucoup plus rassurant. Et aujourd'hui, on vit dans un déni généralisé avec des gens qui vous disent mais non, tout va très bien, parce que c'est beaucoup plus facile à entendre, parce que c'est beaucoup plus confortable, parce que ça bouscule pas les choses. Et puis jusqu'au jour où ça va mal se passer, parce que ça se passera forcément mal. Malheureusement, aujourd'hui, il n'y a pas de sortie sans douleur. Quand vous faites une bêtise, vous la payez à un moment ou à un autre. Quand vous allez vous taper la cloche dans un grand restaurant et que vous bouffez comme un cochon, à la fin, on vous amène une addition. Il faut la régler. Et ben là, c'est exactement pareil. On a vécu à crédit pendant des années. On en a largement profité. On a eu de la croissance. On a eu tout allait très bien. Et puis maintenant, faut retomber sur terre. Maintenant, faut régler l'addition. Alors je dis pas ça. Je dis pas que c'est la fin du monde. C'est pas une question de survivalisme. Quoi que ce soit, je dis pas aux gens qu'il faut s'enterrer dans un bunker avec un pistolet mitrailleur à la main, ça n'a rien à voir avec ça. Je dis simplement, on a fait un certain nombre de bêtises, qui en plus ont été aggravées par des actions des banquiers centraux et des autorités économiques et politiques, qui n'ont rien vu venir, comme d'habitude, et qui ont géré de la façon la plus mauvaise possible, et que donc y a un moment où il va falloir payer l'addition, c'est tout ce que je dis, et que l'addition, plus on attend pour la payer, plus on repousse les échéances, plus on essaie de passer à côté, plus on aggrave la chose, et donc plus ça va faire mal, c'est tout. Alors après, c'est un discours que les gens n'aiment pas entendre parce que ça les dérange, dans leur certitude très souvent. Certitude, je leur dirais simplement, lisez un tout petit peu, regardez ce qui s'est passé ailleurs, et vous en conclurez que, en effet, ça peut pas bien se passer. Voilà. Après, est-ce qu'il y a des solutions auxquelles on n'a pas pensé? Je suis pas certain, parce que malheureusement, on est arrivé à un tel point de non-retour, et c'est aujourd'hui général. C'est-à-dire qu'on n'a pas, la possibilité d'avoir une référence historique, puisque ça ne s'est pas jamais passé à ces niveaux-là. Aujourd'hui, on navigue un peu à vue. La seule chose dont on est sûr, c'est que ça ne peut pas se régler sans douleur. Voilà. Alors après, que ça ne plaise pas, qu'il y ait des gens qui pensent que j'en profite, etc., ça les regarde. Souvent, leur argumentation est assez pauvre. Voilà, moi quand je le dis, je n'ai pas grand chose à vendre. Je dis simplement, il y a un certain nombre de choses, faut être factuel, moi je suis prêt à apporter tous les chiffres qui prouvent ce que je dis, j'ai pas de souci avec ça. Il faut être factuel, et quand il y a des choses qui mathématiquement ne peuvent pas revenir en arrière sans être soldés auparavant. Et donc, vous êtes malheureusement obligés de prévoir certaines choses, et certaines choses qui vont pas être forcément drôles. La planche à billets, normalement, vous aviez de la création monétaire qui était corrélée, si vous voulez, à la croissance mondiale. D'accord ? La croissance du commerce, etc. Donc, on avait besoin, évidemment, de créer de la monnaie. Alors, créer de la monnaie, c'est pas créer des billets, c'est des créances, c'est tout un tas de choses. C'est pas simplement des billets papier. Donc, normalement, vous aviez une croissance mondiale qui était autour de 3 à 4, et vous aviez une croissance
de la masse monétaire mondiale, qui était aussi de 3-4, ce qui était normal. Aujourd'hui, vous êtes dans une situation où vous avez une croissance mondiale qui est plutôt proche de zéro, et vous avez une croissance de la masse monétaire qui est plutôt autour de 17-18%. Donc on voit qu'il y a déjà un décalage qui colle plus. Si vous avez quelque chose qui n'est plus basé sur rien, de la monnaie papier, c'est quoi? C'est, je vous prends une feuille de papier, je vous marque un chiffre dessus. Si vous avez confiance en moi, je vous ai marqué 100 euros, ça vaut 100 euros. Si le gars en face me vend des marchandises et qu'il croit dans ce billet, qu'il a confiance dans celui qu'il émet, ça vaut 100 euros. Le jour où il n'a plus confiance, ça vaut quoi? Ça vaut zéro. D'accord? Ça vaut zéro parce que ça vaut à peine le prix du papier. Si votre monnaie n'est plus basée sur rien, elle n'est plus basée sur l'or, elle n'est plus basée sur rien, ni sur la croissance, ni sur l'actif d'un pays, qu'est-ce que ça vaut? Rien. Le jour où les gens perdent confiance, le jour où je vous tends un billet et vous me dites « Ah ouais, mais non, mais ça vaut rien ton truc, je ne veux pas le prendre », à ce moment-là, il vaut zéro. Et c'est exactement comme si demain, vous prenez tous les billets de votre jeu de Monopoly, c'est pareil, il y a un chiffre qui est marqué dessus. D'accord ? Vous sortez, vous essayez de vous acheter une voiture avec. Si le type qui est en face de vous n'est pas un crétin total, il va vous dire « Monsieur, ce sont des billets de Monopoly, ça vaut rien ». Ce dont ils ne se rendent pas compte, c'est qu'aujourd'hui, les billets en dollars, en yens et en euros sont des billets de Monopoly. Donc ça ne tient que jusqu'au jour où un pays ou un intervenant économique dit « Ah oui, mais moi je ne reconnais pas ce billet comme ayant une valeur de 100 ou de 500 ou de 50 euros. Moi je dis qu'il n'a pas de valeur. » À partir de ce moment-là, ça s'écroule. Donc ce système, c'était Voltaire qui disait ça au 18e, 1729, je crois, la phrase de Voltaire là-dessus, qui dit une monnaie basée sur la confiance envers celui qui l'émet, donc c'est ce qui aujourd'hui c'est ce qui est le cas, retournera invariablement à sa valeur d'origine qui est zéro. Voilà. Donc aujourd'hui, on a encore confiance. Pour combien de temps, j'en sais rien. Mais il y a un moment, à force de créer quelque chose de rien, eh ben forcément, vous vous cassez la figure. Pourquoi est-ce que, on le voit bien avec le fameux jeu de Monopoly, c'est intéressant comme parallèle, parce que si le banquier vous redonne des sous, vous n'arrêtez jamais le jeu de Monopoly, par définition. Si à chaque fois que vous avez besoin de vous recaver, le banquier vous donne des sous, le jeu de Monopoly ne s'arrête jamais. Donc sur les matières premières, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que aujourd'hui les politiques monétaires sont responsables d'une bonne partie de la hausse des matières premières et notamment alimentaires. C'est-à-dire que ce qu'on a appelé les printemps arabes, ils sont pas venus comme ça. Les printemps arabes, c'est pas tout d'un coup des populations qui se sont aperçues que ils étaient dirigés par des dictatures. Ça faisait 40 ans qu'ils étaient dirigés par des dictatures, ils se sont pas réveillés tous ensemble le même jour. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que en grande partie, d'ailleurs, si vous regardez où ça a commencé. Ça a commencé souvent dans le sud du pays et c'est des gens qui n'avaient rien à bouffer. Et pourquoi ils n'avaient rien à bouffer? Tout simplement parce que les prix des matières premières alimentaires avaient explosé. Et pourquoi ils avaient explosé? Et ça, c'est intéressant, c'est parce que Monsieur Bernanke était là. Et il suffit de regarder le nombre de contrats futurs sur les matières premières pour s'apercevoir que c'est en grande partie, en très grande partie, dû à la politique de M. Bernanke. Quand il a annoncé son premier quantitative easing, le nombre des contrats futurs sur matières premières a été multiplié par 1000.
Et sur le deuxième QE, ça a été multiplié par 10 000. Alors, moi, je veux bien que M. Bernanke nous dise que il est absolument pas responsable de la hausse des matières premières, mais enfin, quand même, il y a une curieuse coïncidence, si on peut appeler ça une coïncidence. Voilà. Donc, c'est vraiment une, il y a vraiment une liaison entre cette politique monétaire et la hausse des matières premières et aussi la hausse du prix du pétrole et donc de l'énergie. Donc, il faudrait que ce monsieur arrête ses quantitative easing parce que ça va nous mener tranquillement à notre perte à tous. Les retraites, on n'en aura pas. Je crois que c'est clair. Les retraites, enfin, ça fait longtemps qu'on le sait. C'est pas une surprise. Il n'y en aura pas, mais si avec les retraités qui étaient touchés, ça serait encore bien. Mais malheureusement, tout le monde va trinquer. Pourquoi tout le monde va trinquer? Bah parce qu'il y a un moment où malheureusement vous ne pouvez plus vous permettre de payer des retraites par répartition parce que vous avez plus de gens à la retraite que de gens qui travaillent. Donc l'équation elle est assez vite faite. Hein. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que malheureusement le système des retraites il sautera. Vous savez qu'en plus on avait fait un petit fonds de complément pour payer les retraites. Il a été bien investi par des gens, par l'élite de notre société. Il a été bien investi sur des actions. Et évidemment, ces actions, en 2008, elles ont pris un coup derrière la tête. En 2011, elles ont repris un coup derrière la tête. Et on n'est pas prêt de revoir les cours. Donc, on a commencé par perdre beaucoup d'argent là-dessus. Et je ne suis pas certain qu'il serve à quoi que ce soit, ce fonds. Donc voilà, vous êtes aujourd'hui, de toute façon, mais pas simplement, je vous dis, les retraités, tous les épargnants vont trinquer. Pourquoi on vous a remonté le taux du livret A? C'est pas pour vous donner de l'argent, c'est pas pour vous donner les 1,75% d'intérêt, c'est simplement parce que ça permet à l'État de nationaliser l'épargne. Alors, ils ont nationalisé l'épargne. Les Français, qui sont toujours contents qu'on s'occupe d'eux, se sont précipités dans le livret A. Et pourquoi on a fait ça? Bah, tout simplement parce qu'en 2013, figurez-vous que c'est la France qui sera le plus gros émetteur de dettes d'Europe et qu'il fallait bien trouver quelqu'un pour acheter ces foutus OAT, donc les obliques d'État. Et que, bah, ça y est, on a trouvé le pigeon parfait, c'est celui qui est allé dans le livret A. Et puis, à un moment ou à un autre, je vous dis, soit par le biais d'un défaut de paiement, soit par le biais d'hyperinflation, votre livret A, il vaudra zéro. Voilà. Et merci, circulez, il n'y a rien à voir. C'est une équation qui mathématiquement est compliquée à résoudre. Non, mais le problème, c'est que vous êtes allé trop loin. On a dépassé le point de non-retour. Donc, il y a un moment, si vous voulez, quoi que vous fassiez, que vous laissiez filer, méthode américaine, d'accord? Les Américains ont décidé que il était absolument pas question de faire le moindre effort, et donc ils laissent filer, et puis vaille que vaille, on verra bien ce qui arrivera. Les Japonais, pareil, même politique. En Europe, hein, je vous ai dit, les Allemands sont terrorisés parce que ils savent ce qui va se passer, et donc ils ont pas envie de revivre ça. Mais en attendant, on a choisi donc, pour l'instant, une autre voie qui est de dire on va faire des économies. Mais le problème, ce que les gens ont oublié, c'est que aujourd'hui et hier aussi, c'était pareil. Qui est-ce qui avait pris le relais? Qui est-ce qui faisait la croissance dans les pays?
C'était les dépenses de l'État. C'était des salaires qui étaient versés par l'État. C'était pas le privé qui, finalement, apportait de la croissance. Donc, c'était en grande partie l'État. Et quand l'État ne peut plus, quand l'État n'a plus d'argent, c'est fini. Vous n'avez plus de croissance. Alors aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Vous avez l'État qui n'a plus d'argent et qui dit on va faire des économies. C'est pas tellement d'ailleurs des économies qu'il fait. Il nous ponctionne un tout petit peu plus. Donc il ponctionne les retraites, il ponctionne les salaires, il ponctionne tout. Oui, mais le problème, c'est que c'est trop tard. C'est qu'aujourd'hui, ces politiques-là sont évidemment récessionnistes, puisque si vous divisez par deux les salaires, faut pas imaginer que les gens ils vont consommer comme des fous. Donc c'est évidemment des politiques récessionnistes. Quand vous avez une récession, votre coût de la dette, il est à 5%. Aujourd'hui en Espagne, les Espagnols sont endettés, si vous comptez l'endettement sur l'immobilier, vous êtes à largement plus de 100%. Donc ça veut dire que ça vous coûte au moins 5%. Si vous ne faites pas 5% de croissance du PIB, vous ne pouvez pas payer les intérêts. On est bien d'accord. Donc c'est très simple. Aujourd'hui, personne n'est en mesure de payer les intérêts de la dette. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout le monde emprunte mois après mois pour payer les intérêts de la dette. Donc votre dette, elle augmente. Et quand vous avez un PIB qui est vraiment négatif, il faut en plus emprunter pour payer les budgets, etc. Ça veut dire que à un moment, votre dette elle continue à augmenter. Qu'est-ce qui va se passer? Les marchés vont commencer à se poser des questions sur le remboursement possible ou pas possible de cette dette. Et à partir d'un certain moment, les marchés se disent « Oula, je vais pas me faire rembourser ». Donc le coût les taux d'intérêt, c'est quoi? C'est le prix qu'on demande pour justement parer ce risque de non remboursement. Donc ce prix, ces taux d'intérêt, à ce moment-là, ils se mettent à exploser. Et donc, c'est de plus en plus difficile de payer les intérêts de la dette. Et donc, ça y est, c'est plié. Vous êtes rentré dans un espèce de cercle infernal qui fait que c'est le serpent qui se mord la queue. Vous pouvez faire autant d'économies que vous voulez. Si vous faites des économies, ça pèse sur le PIB. Si le PIB est négatif, à ce moment-là, vous ne pouvez pas payer les intérêts de la dette. Et vous ne pouvez pas rembourser votre dette. Et donc, votre dette, elle continue à augmenter année après année, etc. Et donc, voilà, bon, après, terminé. Alors vous avez des gens qui ont des solutions très simplistes. Ils vous disent il y a qu'à pas rembourser, le fameux yaka, il y a qu'à faucon. Si on rembourse pas, oui d'accord, donc tous les épargnants sont ruinés. Parce que les gens font pas le calcul, ils disent oui mais de toute façon il y a que des riches. Non, il y a pas que des riches. Le livret A c'est de l'épargne et c'est pas que des riches dedans. Tous les produits que vous avez bancaires, c'est de l'épargne, d'accord? Et cette épargne, elle est placée sur quoi? Sur des obligations. Si vous les remboursez pas, c'est terminé. Vous n'avez plus d'épargne. Donc, il faut arrêter de sortir des solutions comme ça qui n'en sont pas. Vous entendez les gens qui disent « de toute façon, la BCE n'a qu'à émettre des obliques sans taux d'intérêt. » Ah oui, qui va les acheter? D'accord. Et puis, à côté de ça, vous avez la même personne qui vous dit « de toute façon, c'est très simple, il n'y a qu'à pas payer de taux d'intérêt », qui vous dit « Et les rendements de vos placements, c'est quoi ?» S'il y a un rendement dans un placement, c'est bien qu'il y a un taux d'intérêt quelque part. C'est atterrant de bêtises. C'est comme ça. Les agences de notation, on s'en fiche.
c'est terrifiant. Les agences de notation, ça me fait quand même marrer. C'est que vous avez quand même des gens, des banquiers, qui payent des agences de notation pour savoir quoi penser. Comme s'ils ne pouvaient pas le faire eux-mêmes, penser. Et vous avez des agences de notation qui leur disent quoi penser, souvent avec trois trains de retard. Hein, c'est-à-dire que moi, j'ai pas attendu que Standard & Poor's et Moody's me disent que la Grèce ne remboursera pas pour savoir que la Grèce ne remboursera jamais. Et je trouve triste que des banquiers et des autorités économiques aient attendu que Standard & Poor's leur dise quoi penser sur la Grèce. Donc, j'estime que ça sert pas à grand-chose, sauf peut-être à donner des salaires mirobolants à quelques analystes qui, sinon, n'auraient pas de métier. Mais c'est tout. Ça n'a aucun intérêt. Moi, aujourd'hui, j'achète tous les jours des obliques corporate. J'ai pas besoin de savoir quelle est la notation de Standard & Poor's ou de Moody's pour savoir que si j'achète une obligation Lafarge à 2 ans, Lafarge va me rembourser. C'est une certitude. J'ai pas besoin de savoir sa note. Je m'en fiche complètement. Donc, je dirais, apprenez à penser par vous-même. Ça vous évitera d'être suspendu à la note de Standard & Poor's ou Moody's. Il faut quand même bien se rendre compte qu'aujourd'hui, des pays dont on sait pertinemment qu'ils ne rembourseront jamais leurs dettes, comme le Japon, sont toujours notés AA ou A-, ou enfin bon, peu importe. C'est-à-dire, en gros, si vous voulez, sont toujours notés 17 sur 20. Quoi. En gros, hein, c'est un peu le dans l'échelle des notes des agences de notation. C'est juste grotesque. Alors qu'on sait qu'ils ne rembourseront pas. Donc, il faut arrêter. Il y a un moment où, franchement, enfin, apprenez à réfléchir par vous-même, ça sera beaucoup plus intéressant. Après, alors maintenant, elles se font sanctionner par les États-Unis, que ça déplaît souverainement de s'être fait dégrader. On continue dans le ridicule, quoi. Aujourd'hui, l'État américain, il devrait être content. Il n'est pas encore à triple C, donc il devrait être content plutôt. Il faut arrêter ce cirque avec les agences de notation. Ils ont échoué complètement. Enfin, on l'a vu avec les subprimes. Tous les produits subprimes étaient notés triple A. Enfin, bon, on voit que c'est n'importe quoi. Ça veut rien dire. Donc. C'est l'impunité de toute façon de tous les politiques. Hein. Vous n'allez pas mettre M. Bernanke en prison alors qu'il le mériterait 100 fois parce qu'il est en train de couler et son pays et l'économie mondiale. Sauf qu'il n'ira jamais en prison. Vous n'avez jamais aucun banquier qui a subi quoi que ce soit comme sanction. Eh ben, vous n'aurez pas non plus les banquiers du FESF qui subiront des sanctions. Mais c'est pas étonnant. Si on en est là aujourd'hui, c'est parce qu'il n'y a jamais de sanctions. Jamais personne n'est responsable de quoi que ce soit. Donc à partir de ce moment-là, je vois pas pourquoi les gens continueraient pas. Aujourd'hui, vous avez vu un banquier qui s'est retrouvé en taule parce qu'il avait perdu des milliards. Vous avez vu un banquier qui s'est retrouvé en taule avec le scandale du Libor? Non. Jamais. Donc, pourquoi voulez-vous qu'il s'arrête? Aujourd'hui, vous voyez quoi? Vous avez eu une alerte quand même monstrueuse en 2008. Hein. On a failli tous sauter en 2008 avec les bêtises des banquiers. Alors, on aurait pu se dire, bon, dans un monde à peu près normal, ces gens-là, ils ont quand même eu très très chaud aux fesses, ils vont essayer de réguler un peu plus, ils vont essayer de prendre moins de risques, etc. Pas du tout. Pas du tout. Vous regardez les bilans des banques, pour la plupart, ils ont augmenté,
La BNP nous dit que ils ont bien baissé leur bilan. Ouais, ils l'ont baissé ils avaient un bilan qui était au-dessus de 2000 milliards et maintenant il est à 1930, je crois. Gros effort. Et puis pendant ce temps-là, les positions à terme hors bilan de la BNP sont passées de 46 000 milliards à 48 000 milliards d'euros. Franchement, je vois pas. Moi, j'ai quand même du mal à voir une diminution du risque là-dedans. Bon, alors peut-être qu'on va essayer de m'expliquer qu'il y a plus de risques, mais j'ai du mal. On voit la plus vieille banque italienne et une des plus vieilles banques du monde, Montepaschi, qui a fait faillite la semaine dernière ou la semaine d'avant, je ne sais plus, parce que on a découvert tout d'un coup que c'était pas si bien ça, qu'il y avait des CDS dans tous les sens et que la pauvre, elle allait sauter. Alors qu'on vienne pas nous raconter aujourd'hui que le risque a diminué, que les banques maintenant maîtrisent les choses, etc. Elles maîtrisent rien du tout et le risque, il a absolument pas diminué. Aujourd'hui, je vous dis, il n'y a pas de régulation dans les banques, il n'y a pas plus de contrôle qu'avant, il n'y a pas plus de... On vous jette de la poudre aux yeux en vous disant ben ça y est, maintenant on a organisé des choses, etc. On vous parle beaucoup de Bâle 3 parce que ça va mettre un petit peu plus de fonds propres. Mais le problème, c'est pas mettre 1 ou 2% de fonds propres supplémentaires. Quand on voit les positions, je vous ai dit 48 000 milliards, c'est pas parce que vous allez rajouter 1% de plus de ratio Tier 1 que ça va sauver les choses. Et tout le reste découle de ça aussi. C'est-à-dire qu'il y a absolument aucun contrôle. On vous balade. Pourquoi? Bah parce que quand on veut organiser les choses, quand on veut essayer de maîtriser les choses, on va voir les banquiers en 2008 qui sont en train de se noyer, on leur tend une feuille blanche, on leur demande de signer et on s'occupe de mettre les choses en place derrière. Qu'est-ce qu'on a fait? On n'a pas fait ça du tout. On les a sortis de l'eau, on les a séchés, on leur a donné du pognon gratuit en leur disant « continuez à jouer avec ». D'accord? Donc on les a remplumés et après on leur dit « écoutez les gars, si ça vous dérange pas trop, est-ce qu'on pourrait s'organiser pour faire une séparation entre les activités bancaires et les activités de marché ? » Qu'est-ce qu'il vous répond le banquier ? Il vous répond « va te faire voir ». Voilà, avec un grand sourire, en disant « en plus, si tu m'embêtes, je ne prête plus à l'économie ». Il ne prête pas, de toute façon. Mais il l'a fait croire aux autorités politiques qui disent « ah ben non, mon Dieu, non, 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 faites pas ça, s'il vous plaît, continuez à prêter à l'économie ». Ok, bon, alors tu remballes ta loi à la con, là, et puis nous, on continue nos petites affaires bien tranquilles. Voilà, c'est comme ça que ça se passe. Et donc, vous n'avez absolument aucune loi aujourd'hui qui soit une vraie loi, qui organise les choses et qui, en effet, fasse en sorte d'éviter que les choses comme 2008 se reproduisent. Parce qu'aujourd'hui, elles sont parfaitement capables de se reproduire et de se reproduire de façon plus grave. Voilà. Sur les paradis fiscaux, je dirais c'est un faux problème. On agite la Suisse au bon peuple, et puis pendant ce temps-là, le Delaware, ça continue, les îles anglo-normandes, ça continue, Hong Kong, ça continue, etc., etc. Donc chacun a son petit paradis fiscal, et puis de l'autre côté, vous avez les Français, les Allemands, enfin les Européens, qui disent aux Suisses, c'est pas bien. Et puis pendant ce temps-là, on continue avec l'Irlande. L'Irlande, c'est pas un paradis fiscal, peut-être. L'Irlande, avec 12,5% d'impôts sur les entreprises, c'est pas un paradis fiscal, ça. Mais on continue avec l'Irlande, et de l'autre côté, on
tape sur les 15 clampins qui ont les 15 clampins qui ont un compte dans un paradis fiscal comme la Suisse ou Andorre. Je veux dire, c'est pas le problème. Les gros montants, les gros comptes des entreprises, etc. Ils sont pas en Suisse, ils sont ailleurs. Donc et on les y a fait rentrer en plus en mettant l'Irlande en Europe. Donc enfin, c'est juste grotesque comme d'habitude. Mais bah, ça fait un chiffon rouge de plus qu'on agite devant votre nez pour que vous pensiez à autre chose, quoi. Bah, c'est de mettre un doute sur tout ce qui est consensuel et sur tout ce qui sort. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, faut pas prendre les chiffres tels qu'ils tombent, faut pas prendre les idées telles qu'elles tombent, et faut essayer de les confronter, de les challenger, de regarder si c'est cohérent, incohérent, etc. Aujourd'hui, c'est un boulot qui n'est absolument pas fait. Vous avez dans des salles de trading des traders qui attendent le chiffre de l'emploi, c'est mieux que prévu ou c'est moins bon que prévu, et puis ils décident d'une stratégie vis-à-vis de ça. Jamais, à aucun moment, ils vont essayer de regarder si ce chiffre est cohérent avec les autres données qu'on peut avoir. Alors, vous avez des données économiques aujourd'hui que vous n'avez pas. C'est-à-dire que essayer de trouver les vrais chiffres du chômage en Europe, je vous souhaite bien du plaisir. En revanche, vous avez des pays qui publient vraiment. Donc, aux États-Unis, ils publient. Même s'ils vous donnent un chiffre qui est traficoté, il suffit d'aller travailler un peu, il suffit d'aller chercher, il suffit d'aller regarder, il suffit d'essayer de réfléchir un tout petit peu, et vous pouvez à ce moment-là retrouver les vrais chiffres. Donc c'est pas très compliqué. Vous pouvez aussi essayer, quand on vous sort un chiffre de croissance, par exemple en Chine, où il est très difficile d'avoir des statistiques, mais vous pouvez essayer de réfléchir un tout petit peu. Vous regardez le chiffre de 7,5 qui sort, et puis vous vous dites, tiens, c'est amusant parce que le Baltic Dry Index, qui est le prix du fret entre la Chine et l'Occident par navire, il est curieusement au plus bas. C'est amusant. Donc si jamais la croissance repartait, on aurait besoin de bateaux pour exporter. Ben là, c'est pas de bol, c'est au plus bas. Puis vous regardez le chiffre du commerce extérieur chinois, et puis vous regardez le chiffre des importations américaines. Puis vous voyez que juste ça correspond pas. C'est amusant. Donc il y en a un qui ment dans l'histoire. C'est qui? C'est les États-Unis ou c'est les Chinois? Ou c'est les deux? Probablement les deux. Vous avez tout un tas de choses comme ça. On a regardé aussi les consommations électriques. Ils essaient de nous faire avaler qu'ils font 7,5% de croissance, et puis il n'y a pas de consommation supérieure d'électricité. Donc il y a un truc qui colle pas. On a tout un tas de, enfin on a toute une batterie comme ça de corrélations à établir, et il faut essayer d'être cohérent. Il faut essayer de trouver si on nous raconte des balivernes ou si réellement il y a un support réel à ces chiffres-là. Donc aujourd'hui, on sait très bien, moi ma petite marotte, parce que ça m'amuse tout le temps, tellement c'est gros et tellement c'est mal fait, c'est le chômage américain. Le chômage américain, aujourd'hui, on sait très bien qu'il fait diminuer la population active, et que c'est la baisse du taux de chômage est uniquement due à ça, pas à autre chose. Donc, y a vraiment, et là c'est purement du bon sens aussi. C'est pas, il suffit pas de sortir d'une grande école. Il faut simplement avoir un chouïa de bon sens. On vous dit les États-Unis réindustrialisent.
hein, c'est-à-dire refont revenir des industries chez eux et recommencent à ne plus faire que du service, mais faire de l'industrie. Et puis vous regardez le nombre de bons hommes qui sont engagés dans l'industrie, il y en a pas, ils débauchent. Alors moi je veux bien qu'on réindustrialise, mais je pense que il y a un moment où il va bien falloir qu'ils engagent des gens. Pareil sur le logement, on vous dit le logement est reparti aux États-Unis. Ah oui, mais c'est marrant, ils engagent personne. Ils font comment pour les construire, les maisons? Elles se construisent toutes seules. Bon, ou alors c'est des maisons en kit et c'est les clients qui les construisent. Bon, donc il y a un vrai aujourd'hui, il y a des vrais, il y a une vraie réflexion à avoir sur les chiffres qu'on vous communique. On sait très bien sur les chiffres d'inflation qu'on vous balade. Enfin, je veux dire, tout le monde fait ses courses, tout le monde sait que l'inflation elle est pas à 1,5 en France. Bon, donc c'est pas très compliqué ça. Donc il faut avoir un tout petit peu de bon sens et il faut avoir un tout petit peu de réflexion. Alors c'est vrai, faut travailler, c'est pas facile tous les jours, mais il y a des bureaux d'études où il y a 300 personnes et les gars, ils vous sortent des énormités en permanence, qu'ils les fassent un peu bosser les 300 bus, hein.